Bonjour à tous. Alors pour continuer sur cette vidéo sur les sexologies, la drague, la tchatche et tout ça, je vous propose de voir maintenant comment faire pour que la rencontre se fasse bien, se déroule bien. La recherche est importante. Alors déjà qu'ils ne cherchent pas trop. L'amour, ça vous tombe dessus quand on s'y attend. Ce que disent tous les vieux, et moi je l'ai constaté au quotidien, quand je m'y attends plus, c'est là que vient l'amour. Alors pourquoi c'est en relatif au désir mimétique? Parce que le jour où vous trouvez l'amour, vous trouvez de nouveaux prétendants. Même si vous étiez célibataire et qu'il n'y avait aucune prétendelle pendant des années, le jour où vous trouvez l'amour, vous avez des prétendants. Désir mimétique relatif expliqué sur les autres vidéos. C'est un petit peu compliqué, c'est René Girard qui en a parlé le premier. René Girard, c'est sexologue, philosophe. On a parlé en premier, le désir mimétique, c'est la relation triangulaire. Et l'intention, voilà, l'intention que vous avez. Si vous recherchez une relation sérieuse, et que la personne aussi, ça peut coller. Si c'est pas la même recherche, déjà ça colle pas. Donc ayez une intention pure vis-à-vis de la personne. Faire connaissance, c'est une intention pure. Voir après, ça c'est une intention pure. Beaucoup de gens ont cette recherche. On fait connaissance et on voit après. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est travailler sur les pôles positifs et négatifs. Alors je sais que ça fait un petit peu mathématique, mais c'est vrai, mois par mois ça donne plus. Plus par plus, ça donne plus. Plus par moins, ça donne moins. Alors à vous de voir. Est-ce que vous êtes un pôle positif ou un pôle négatif? Est-ce que la personne est un pôle positif ou un pôle négatif? De travailler sur ça. C'est un travail intérieur. Une introspection intérieure. Dire voilà, la personne elle est fermée, c'est moi, ben moi aussi, c'est moi, pour que ça fasse plus. La personne elle est ouverte, c'est plus, ben moi aussi, c'est plus, pour que ça fasse plus, etc. etc.